Dans cette nouvelle vidéo, on va voir et analyser ensemble les statuts de la GSK, en l'occurrence le CSA et le SSPA. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je vous retrouve juste après le générique. Donc, vous allez commencer je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous allez vidéo sur votre colis supporter, la GSK Andamelan, avec notre Thimsel. Sans tarder, on rentre dans le vif du sujet nous allons vais moi personnellement de la situation de la GSK et surtout vous parler des statuts de négligibilité en Coran et de de l'information Pour ça, préparons un petit sommaire. Le sommaire est nous avons les statuts du CSA, la création du SSPA par le CSA, nous avons la structure du CSA, et pour terminer, je vais vous donner mes propositions pour mettre un terme à la, à la dictature du CSA. Donc le statut du CSA. Et la casse CSA, c'est une association. Et l'association, elle est euh, il y a deux décrets. Il y a un décret qui s'applique les associations et un autre décret qui s'applique les entreprises. Donc il y a deux décrets différents. J'ai pris le décret exécutif numéro 1574 du 7 février 2015 du journal officiel, qui s'applique statuts type applicable aux, aux clubs sportifs amateurs. Je j'ai pas pris le, le, le décret récent, mais ça reste la même chose. Euh, quelque chose près de L'île de Karay demande deux articles, très importants, à mes yeux, Kenya. Donc il a l'article 2, et Karay quel article dans l'article 2, le club sportif amateur est une association sportive à but non lucratif, c'est-à-dire elle ne va pas générer de bénéfices celle ci vont de celles-mêmes C'est une, c'est une création de l'État. Elle appartient à l'État. À n'importe quel moment, elle peut, elle décider de la fermer pour n'importe quelle raison, mal l'association. Il y a un autre article qui est demandé sur le journal officiel à Kenya c'est le l'article 8. Ashouki parle article 8 il interdit le cumul le cumul de responsabilités entre le club sportif amateur et un autre club sportif professionnel. C'est à dire, wni il n'a pas le droit d'avoir un autre poste de la SSPA, la double fonction. c'est le le dit. Mais de la GSK, ce n'est pas le cas. C'est le CSA actuellement. Et oui, est dans le CSA. Les Jaren, les lunettes SSPA. Alors que normalement, ils n'ont pas le droit. Il y a un autre décret qui parle de les conditions de constitution d'une SSPA par le CSA. Par la suite, selon que le SSPA a été créé par le CSA ce que le CSA est le juste actionnaire? Non, c'est elle la créatrice. Il y a un décret qui le dit. Il y a le décret exécutif du 1573 du 16 février 2015 du journal officiel. Le il est applicable au club sportif professionnel, donc au SSPA. La JSC. la concernant, c'est un SSPA, c'est le Code de commerce. Le Keith il l'un a trois, trois articles qui pour moi qui sont très importants l'article il y a l'article 5 et tout club sportif amateur régulièrement constitué conformément aux dispositions de l'article de la loi numéro 1206 du 12 janvier 2012 et de la loi numéro 1305 du 23 juillet 2013 and the salaires et rémunération de 50 milliards 50 millions pardon 50 millions de dinars a déclaré une société sportive commerciale une association il si est le canon a une société alors qu'il a l'article 2 des, 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 des sociétés de l'association il est qu'il a un but non lucratif donc il qu'ils pour moi il y a un autre article c'est l'article 8 il paraît que le club sportif amateur et la société sportive commerciale doivent signer une convention. C'est ce a La Ligue, la convention, c'est a signé entre le CSA et la SSPA. C'est ce qu'on la convention. Elles définissent les activités relevant du domaine professionnel et les activités relevant du, de, du CSA. Ça veut dire que euh, le CSA, c'est les sections, par exemple, euh, le Honda, il n'a pas le droit à toucher à d'autres activités, mais il a des statuts, euh, c'est-à-dire la Convention avec il a accepté je tout Et l'article qui m'intrigue beaucoup, c'est l'article 12, je suis qui parle avec confirmé en disposition de l'article 81 de la loi 13 mai au 23 juillet. 2013, il n'est que le club sportif amateur et toute personne physique ou morale peut constituer ou être actionnaire ou associé d'un club sportif professionnel. Ça veut dire que les on a CSA, une société en plus de ça, ils voudraient être associés ou actionnaires dans la société. Une société actionnaire. Alors que il y a un article 2 de, euh, des statuts du CSA, il y a la, la, la société à but non lucratif. Donc, même il y a un but non lucratif, alors qu'il y a actionnaires, et quand les actionnaires, ils touchent des dividendes. Donc, il y a du profit. Le fait d'un reste touché. Le club professionnel algérien actuellement ne génère pas de profit. Donc, peut-être à tous les clubs algériens sont déficitaires. Mais quand on se force qu à qui connaître a à l'analyser, c'est pas normal. Il y, y a des incohérences. Donc ce qui compte avec je me suis basé. La référence, c'est nous, c'est le journal officiel. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien en bas de cette vidéo, on le fichier qui est PDF. Vous pouvez le lire et n'invente rien. Je me suis basé sur ce document. Il la structure du CSA. Donc, le CSA, elle est structurée ainsi. C'est la section volleyball, c'est la section handball, c'est la section judo, l'athlétisme, la natation, etc. Dans, dans le temps avant 2010, c'est la section football. Et après 2010, Michel, chemin le professionnalisme, la, la Ligue a imposé à tous les clubs euh, de l'élite de li, euh, Ligue 1, Ligue 2, euh, de, sexe, dirai, la section football, elle leur a exigé la, la, la création d'une société. Et à la GSK, il y a trois types de sociétés. La GSK, elle a opté pour SSPA, Société sportive par action, et c'est le cas de tous les clubs en Algérie. Et la quinzième elle ne s'est pas contentée seulement de la création. Je me suis dit même, d'accord, en tant qu'actionnaire, tant qu'il un actionnaire, on est plus créatrice. Donc, on va se non, le CSA est juste actionnaire, mais non, il n'y a que des preuves en tête, comme quoi, c'est non. Donc, il y a une méthode, il y a une série de choses. L'AGS a défacé la crise actuelle, il y a la SSPA à a la structure du CSA. Dans un premier temps, on va faire une augmentation du capital, euh, faire en sorte que le CSA, les, 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 les actions les autres actionnaires majoritaires, faire en sorte de, de faire sortir le CSA, c'est la SSPA. Par la suite, l'ouverture du capital atteint la GSK à sa juste valeur. Et une information très importante sur le site de c'est qu'en 2010, si je dis professionnalisme, il y a eu une évaluation du, du capital de la GSK, le capital immatériel, c'est-à-dire du titre, le palmarès, le logo, le maillot de la GSK c'est par le commissaire aux apports, évalué avec le à 86 milliards d'ailleurs, on s'est dans l'intention de protéger la GSK, mais là actuellement, Oudhieu mais ils ont profité de ce privilège, pour contrer les bonnes volontés de à la GSK à la direction, mais par contre, si les, les 2018 est arrivé, ils ont fait un très, très bon travail. Si on va juger sur le, le volet technique, le volet euh, organisation, et puis, certes, l'un des revenus financiers, mais on l'un c'est par rapport à ça. Parce que le CSA, au sein de la Tedrim, c'est bloqué avec les autres investisseurs, les autres actionnaires, et bien je ne la preuve, M. Sherif, euh, il a déclaré la dette de 64 milliards et l'augmentation du capital, l'effacement de la dette, c'est des actions. Le CSA n'autorise pas ça. Donc, à la réalité est, je vous laisse le, 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 la vidéo, ici, vous faites une capture d'écran et bien, vous allez comprendre le, le fonctionnement. C'est la structure du CSA, c'est de garder. Le CSA ont un seulement, c'est un actionnaire. Non, le CSA, c'est la créatrice et les actionnaires. Donc, je vous d'où vient le nom, <coughs> pardon, le titre qui la vidéo et qui nous mis SSPA, CSA, la double rupture. La double rupture, je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas c'est juste comme ça. La double rupture, c'est dans un premier temps, l'augmentation du capital, le CSA, en tant qu'actionnaire majoritaire, il y a des carrément. Les actionnaires ont déjà lui, ça va lui permettre d'alimenter le, les, les autres sectionnaires, Et la GSK, elle va respirer. Et la deuxième rupture, à que c'est la structure du CSA, il faut que la GSK, elle va être évaluée. son l'historique qui nous faire la différence entre l'historique et l'économique. Pour terminer, je, je vais vous donner mes propositions pour mettre fin euh, au CSA. Donc la première... Pour moi, il faut demander l'annulation de l'article de loi qui autorise le club sportif amateur, l'association, à être actionnaire dans les sociétés commerciales. Et l'article en question, c'est l'article 12 des SSPA. Je vais vous faire la vidéo à la de l'article 12. La deuxième chose qu'on peut demander, c'est de demander à, à la commission mixte MGS-FAF de procéder à une réforme approfondie du football professionnel dans ses différents aspects juridiques, financiers et organisationnels. Donc, c'est qu'il y juridiquement, les textes de loi, il faut qu'il qu soit révisés dans l'article 12, l'article 2, les anomalies les articles entre le CSA et le SSPA. Le volet financier par rapport à l'augmentation du capital et organisationnel c'est que le cSA c'est la fonction une du cSA' son activité du Csa attitude le football professionnel et les professionnels donc ça veut dire la commission mixte mgs faf donc, le MGS, c'est le ministère de la jeunesse et des sports. La FAF, c'est la Fédération algérienne de football. C'est une association. C'est elle qui représente le, le football algérien à, à l'international. Soit au niveau africain, c'est en lien avec la CAF, soit au niveau international avec la FIFA. C'est des associations. Donc, la commission Akhet Mathen, elle, elle est récente. Elle est installée que le 13 septembre 2021 par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdarzak Sebgag. Je vais dire si j'ai écorché son nom. Donc, au fait la commission AKS-Mathen, on peut faire des courriers on peut faire des sit-ins devant le, devant le siège.

La troisième demande que je peux faire en Kenya, c'est d'exiger au CSA de céder une partie de leurs actions, le capital fictif, au profit de nouveaux actionnaires anciens pour alimenter la trésorerie de la GSK. Déjà dans un premier temps, les actions sont pas. d'autres actionnaires, de la balance de CSA 69 milliards de c'est la seule solution y a pour moi pour sortir de cette crise. J'ai donné une autre proposition, c'est de demander au pouvoir public de mettre en place rapidement des textes réglementés, réglementaires permettant de mettre fin à la dictature du CSA. Mettre un terme à la dictature du CSA, pour moi, c'est la seule solution pour sortir de cette crise. d'une autre proposition, c'est de revoir les statuts. Du club du club professionnel de façon à séparer le CSA historique et le SSPA économique qui d'adresse précédemment de, de la structure. C'est que le, le CSA historique, historique, c'est les titres, le palmarès, le logo et Il faut les séparer. Il faut même, je me dis le professionnalisme. Il faut que la GSK pour l'ouverture du capital, augmentation du capital en premier lieu et ouvert, ouverture du capital pour mettre un terme définitif à. Euh, à ce monopole, à cette dictature du CSA. Parce que je ne peux pas les qualifier autrement que de, de, que de dictateurs. Et pour terminer, il de a l'ouverture. Voilà, j'ai parlé de l'ouverture du, du capital, c'est faciliter l'entrée des investisseurs. Euh, la GSK, elle va respirer financièrement et puis, il va pas être dépendante de, de, de la mauvaise humeur du CSA. Donc, le reste, c'est un du n'est pas pour... Qu'est-ce qui est personne, euh, on a le droit de critiquer la direction, on a le droit de critiquer le, le CSA, le SSPA, le fonctionnement, mais on n'a pas le droit de toucher les personnes dans leur amour propre, on ne va pas les insulter. Des fois des messages d'insultes, on a le droit de les on va les on ان سيوال اي ميرد ميرد ذا تو ذرث لا جي اس كا اتاول ساتاول نوضا لفرينا واش دنيكس سغوفريد باسكو ثورا من جاتك كاين اسمي دو ساف مشريف ملال باسكو فاد لا جي اس كا غوفريد يا ريتي دايرتي داري فاسني الهان سا ديرونجي Euh, si on va critiquer le volet euh, sportif, il a fait du très bon travail. Il était euh, trois fois vice-champion. Il était vice-champion de Coupe d'Algérie. Il était vice-champion euh, d'Algérie. Au il le jeu des coulisses entre le, 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 le CSC ou l'USMA, on était champion. Euh, coupe de la Ligue de malgré Rovlen, malgré les problèmes, et sans oublier, euh, vice-champion de la Coupe de la CAF, ça fait 21 ans depuis 2001-2002, où on pourra avoir une finale de Coupe d'Afrique. Donc pour moi, si on va juger les personnes, on va juger sur le volet sportif et arrêtons de critiquer l'Arachian euh, euh, sur le, leur personnalité.